marquera les points, et puis tous les coureurs ayant marqué les points, eh bien, ils seront donc récompensés. Vous avez bien compris, pas de prime, mais à l'arrivée, donc on comptabilise les points, et vous aurez donc vous aurez une prime. Des commissaires de service, en l'occurrence, des commissaires du CC tout âgé. Alors on va demander... Pour effectuer ce tour, ce qui fait aux environs de 30 à l'heure, seront même un peu plus de 8 minutes. Voilà, ah oui. Et oui, on s'endort un petit peu là. Et il va falloir aller un peu plus vite, sinon. L'Henri 20, très peu de portant, mais de la qualité. Puisque nous avons le Dinae, Benjamin Adrien, Alexandre Lebrun, Erwan Poulizac, Arnaud Le Lévrier et Jean-Philippe. Ceux-là sont au-dessus du lot. Dès le début de course, l'échappée se dégage avec ces hommes que je viens de citer. Là, c'est le bras qui donne le coup décisif à l'échappée, suivi de Jean-Philippe, de Guillaume Le Dinae, Benjamin Adrien, le bras. Derrière, Pierre Denberto tente de réagir, mais c'est trop tard. Au regard de l'échappée, on a pu penser que Jean-Philippe peut s'imposer de par sa rapidité au sprint. Mais est-ce que ceux-là vont prendre le risque d'arriver avec lui? Ce n'est pas certain. D'ailleurs, sa pointe de vitesse, il la démonte au fil des tours en raflant quelques primes. Peut-être une erreur que se découvrir. Cela va donner de la méfiance à ses adversaires. D'ailleurs, sur l'arrière du circuit, plutôt que de prendre le risque d'arriver au sprint avec Jean-Philippe, on n'arrête pas d'attaquer, ce qui fait qu'il ne fera que quatrième. Le bras va s'imposer devant, derrière, et Lévrier, Le Dinae, Jean-Philippe, Poulizac, dans l'ordre. Et derrière, le peloton. Donc, premier, le bras. Deuxième, le Lévrier. Troisième, Derrien. Quatrième, le Dinae. Cinquième, Ribaud. Sixième, Erwan Poulizac.